Je comprends avec plus de détails parce que là, le Tu vas piano, bien? il fait flipper. Et je peux pas être le seul. Voilà. Mais t'arrêtes de te foutre dans une posture de merde, petit con. Va-t'en, les gars. Bon, on reprend. Donc, vous évitez de faire comme Mou. Je dis, il faut pas se prendre le crossface. Et direct, il va se prendre le crossface. Donc, ça, on évite. D'accord? Là, on n'a pas besoin de se lever comme un ouf. Hein. Le mec, à la base, il ne doit pas être défensif comme ça. Un mec qui est défensif comme ça, quoi, qui fait rien, c'est le pied, mais c'est sur la même carte. D'accord? Donc, s'il va être là, il va se prendre attaquer, il va travailler. Voilà, là, vous avez un hangar. OK? Donc, je reprends la logique. Je vais commencer à descendre moi mon corps pour aller mettre ma main. Là, on voit bien au niveau où je mets les mains ou pas. Parce que ça, le calibre, il a rien compris. Là, c'est bon. Là, lui, il faisait ça. Ah, je veux bloquer un côté pour l'entraîner de ce côté-là. D'accord? Pivoter autour d'un angle. Si je fais ça, bah, je pivote pas autour d'un angle, étant donné que je veux bloquer deux côtés. Là, je veux l'emmener là en bloquant ce côté-là. Donc ma main, là, elle servira à quoi pour le bloquer? D'accord? Donc il faut que j'aille le prendre là. Pas là. Là, je le bloque. Ramène. Je suis pas flat. Je suis pas plat dos. Parce que Amou, il a dit, tiens, c'est bizarre, je te charge là, j'arrive plus à bouger. Bah, si vous chargez un mec et que vous êtes plat dos, pour aller de l'autre côté, regarde, remets-toi normal. Et même moi, je ne voyais rien. Je suis plat dos. C'est-à-dire que je me fais auto-écraser. J'amène le gars pour qu'il m'écrase. Tiens, vas-y, écrase-moi. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok? Donc, non, on est sur le flanc. Ok? Et du flanc, on est bas. On a ramené et on ramène notre partenaire. Ok? Ouais, tu peux faire pouce toi. Oui, j'ai compris. Ok, je reprends. Hop. Ah, donc, on est là. Partenaire va certainement travailler. On fait qu'à faire le crossface. On va ramener un petit peu. Hop. Pour ramener bien. Je me tracte dessous. Ok? De là, je suis sûr. Là, je ne peux pas prendre de guillotes. Et si on était sur du MMA, là, on remet avant le sommet de mon crâne. Vas-y, tu pourrais faire d'autres choses là. Je comprends pas. Ah, j'en ai du coup de coude. Comme ça. Oui, dans le crâne. Vas-y, teste. C'est chaud, hein? Parce que là, alors, ah ouais, si ça bloque trop, j'arrive pas, il tient trop. Hop, prends le principe. La dernière fois, on s'en prend le dos. Ça foire d'un côté, on s'adapte. Hein. Par exemple, le mec, il est hyper posé. Hop, sur ses bases, il n'arrive pas, c'est la galère. Je le ramène, mais je vois que là, ça bloque trop. Il a un gros trou. Là, on est quand même super bien. D'accord? Il y avait un vieux truc old school qui était, on mettait la jambe là. Il marchait, hein? Ouais. Ça fait du mal ou pas? Oui, ça fait mal. Vas-y. Attends, c'est ton genou t'as mal? Non, c'est bien. Bon. Voilà. D'accord? Donc, on peut. Imaginez. On est là, ça marche pas. On se décale. Je comprends là. Et après, comme d'hab, point final. Et là, il va taper dans 3 minutes. Mais il ne sait pas. Ok? Allez.